Mission TV, le miroir du monde. J'ai levé les yeux vers toi, qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs et servantes sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. Prions. Nous voulons, Seigneur Dieu, te confier ces instants entre tes saintes mains. Nous implorons ta grâce au milieu de nous, Père des gloires. Toi qui nous as comptés parmi les vivants d'aujourd'hui, notre joie est parfaite. Nous nous approchons au devant de toi. Tu as ouvert les portes de ta maison pour que nous puissions faire notre entrée. Et tu as permis, Seigneur Dieu, que nous puissions témoigner ta grâce, ton amour, ta fidélité dans nos vies. Parce que tu es fidèle au Père, à cause de ta fidélité, nous sommes là pour te dire merci. Et toi qui as permis que le nôtre puisse, ô Père, se reposer auprès de toi, notre joie est parfaite. Tout en sachant que nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous finirons, Père des gloires, par quitter ce monde pour nous rencontrer avec toi. Assiste-nous du début à la fin de ces cultes, pour ta seule gloire, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Distingués invités, j'aimerais commencer d'abord par remercier les responsables de l'Église du Christ au Congo, les responsables qui nous ont alignés et choisis pour ces instants. Ils regorgent plein de serviteurs qui pouvaient le faire, et si nous avons été appelés, nous voulons reconnaître que c'est un honneur qui nous a été fait. Et j'aimerais aussi saisir cette occasion pour saluer les uns et les autres à cette circonstance et souhaiter mes voeux les meilleurs aux uns et aux autres pendant que nous commémorons le départ d'un héros qui nous a laissé des traces indélébiles dans ce pays. Je m'inscris dans le texte qui nous a été lu ici, pour ne pas le relire, pour partager un sujet important qui nous préoccupe. Et cela veut dire notre redevabilité envers Dieu. Notre redevabilité envers Dieu. C'est le thème que nous avons pensé partager à cette occasion. Pourquoi ? Parce que nous savons que la vie que nous avons nous a été donnée. Dans le monde, on définit la vie de plusieurs manières, mais la Bible reconnaît que la vie est un don. Celui qui nous l'a donné sans qu'on l'ait demandé. Et il a le pouvoir de récupérer ça sans que nous soyons en mesure de l'en empêcher. Donc, celui qui a donné la vie est le souverain de la vie. Il sait donner la vie, il sait la reprendre, mais il sait aussi la soigner, la corriger, la ressusciter. Il sait bénir cette vie-là, il sait l'élever. Il est lui-même le centre de la vie, l'énergie principale de la vie. Et lorsqu'il donne la vie, il s'attend à ce que nous puissions répondre à faire des choses que cette vie nous conduit à faire. Donc, nous considérons que Dieu, étant le créateur de la vie, l'auteur de la vie, le donateur de la vie, fait de sorte que chacun de nous qui a la vie puisse l'amener d'une certaine manière. Mais au fin, plutôt à la fin de notre course,
nous allons nous présenter devant celui qui nous a donné la vie et donner le rapport de ce que nous aurons fait de cette vie qu'il nous a donnée. C'est dans ce contexte-là que nous prenons un exemple pathétique et particulier du peuple d'Israël, selon l'histoire contenue dans la Bible et dans d'autres textes historiques. Dieu a créé une nation à partir d'un individu, Abraham. Mais cette nation est passée par 4 siècles d'esclavage. Et quand Dieu retire ce peuple de 4 siècles d'esclavage pour l'installer comme une nation à un endroit qu'il a prévu, Dieu prend soin de lui donner en amont un certain nombre de règles qu'il doit respecter afin que cette vie, afin que cette nation, afin que ce peuple puisse vivre à l'aise. Et je n'ai pas voulu qu'on entre dans les détails de ces lois-là, vous les connaissez, on les appelle les 10 commandements. Pour tout le peuple, il a donné 10 commandements, mais pour les responsables du peuple, il va donner des particularités afin que le leadership de ce peuple-là, d'un côté, et le peuple lui-même qui adhère à l'éthique divine, puisse vivre une vie heureuse. Quand Jésus a reçu la demande de donner l'explication sur les 10 commandements, il en a résumé en 2. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est le résumé de tout ce que Dieu a donné au peuple. Et lorsque le peuple s'attache à la pratique de ce règlement-là, de ce commandement, alors en ce moment-là, le peuple va jouir de la vie. Il a donné les instructions de la vie comme exactement un producteur de produits pharmaceutiques, si je peux me permettre le pléonasme, va mettre un prospectus pour dire, si vous voulez que ce produit vous fasse du bien, vous devez le prendre le matin, à midi, le soir. Il va prescrire une dose. Et si vous respectez la dose, eh bien, le produit vous fera du bien. Si vous ne respectez pas la dose, vous n'allez pas avoir la solution ou le résultat que vous attendez. Dieu aussi, ayant créé l'homme, lui ayant donné la vie, a prescrit un certain nombre de choses que l'homme devait respecter s'il tient à vivre heureux. Alors, le texte que nous avons choisi nous ramène dans le schéma d'une sorte de redevabilité devant Dieu que Dieu a placé, non pas simplement sur le peuple, mais sur les responsables du peuple. Et je sais que je m'adresse aux responsables du peuple, c'est pourquoi j'aimerais insister sur cet aspect de redevabilité. Dieu a placé 3 valeurs fondamentales qui doivent faire de sorte que nous tous en général et nous qui avons des responsabilités en particulier puissent penser à cette redevabilité. Le deuxième texte qui a été lu nous montre que un roi a régné et il a fait ce que l'Éternel considère comme bien. Et il a fait 40 jours de règne, il a fait ce que l'Éternel considère comme bien. Si vous avez le temps de lire les chroniques de rois en Israël, vous allez trouver cette phrase-là. Tel à tel âge devint roi. Il fit ce que l'Éternel considère comme bien, il régna autant d'années. Dans la manière de reprendre l'essentiel de ce qu'une vie d'un leader a été, c'est simplement cet aspect, s'il s'est comporté de manière correcte devant Dieu ou pas. Donc, nous pouvons être redevables aux hommes, nous pouvons être redevables à nos chefs, à la population et à tous ceux qui nous entourent, mais la Bible place la redevabilité envers Dieu au-dessus de toutes les autres redevabilités. Et en conséquence, j'aimerais donc revenir sur ces 3 valeurs fondamentales qui peuvent faire que nous soyons des gens que Dieu approuve, bénit, appuie par rapport à ces valeurs fondamentales qu'il considère comme
une bonne chose. La première, il a été indiqué là-bas, que lorsqu'il va prendre le pouvoir, cet homme-là devra me craindre, devra craindre l'Éternel, devra respecter l'Éternel, devra honorer l'Éternel dans sa manière de vivre. Dans sa manière de vivre, il doit reconnaître que j'ai une vie qui me vient de quelqu'un. Je sais que quelqu'un m'a donné cette vie-là. Je dois l'honorer dans ma manière d'exploiter la valeur vitale qu'il m'a donnée. Et la Bible dit, bon, je ne sais même pas si ces rois-là ont pu le faire ou pas, mais l'instruction était que le roi devait prendre la loi et devait lui-même transcrire ça dans un livre. Donc il devait recopier ça lui-même, parce que en recopiant, il apprenait aussi cette loi-là. Et il devait la méditer jour et nuit afin de craindre l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel nous échappe souvent, parce que nous vivons indépendamment d'une certaine logique et d'une responsabilité, ne sachant pas qu'un jour nous serons devant celui qui nous a donné la vie et nous lui rendrons compte. Et Dieu, en voulant que l'homme puisse vivre heureux, il a mis la crainte de son nom, le respect de son nom, avant toute autre chose. Donc si nous voulons être heureux, nous avons tout intérêt à apprendre à l'honorer, à le respecter, à vivre conformément à sa volonté, conformément à ce qu'il veut. Et sa volonté n'est pas pour nous nuire. Aujourd'hui, les gens avec toute forme de philosophie viennent nous dire que les lois religieuses viennent restreindre la liberté de l'homme. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et pourtant, Dieu nous a créés dans toute la liberté et on est libre de faire tout ce qu'on veut. C'est bien de prôner cette libre volonté, mais la libre volonté ne nous amènera jamais à jouir pleinement de la vie. La libre volonté nous amènera à faire ce que l'on veut et au bout de compte, on va se retrouver comme Salomon, qui a pris la place de son père et qui a dit, j'ai décidé de mettre mon cœur à jouir dans tous les plaisirs que mon cœur me dicte. Si j'ai besoin de manger quelque chose, je vais chercher pour manger ça. Si j'ai besoin de boire une qualité de vin, je donnerai mon cœur à ça. Il a donné, il avait la liberté. Il était un roi en ce moment-là, il avait tous les moyens. Il a dit qu'il a donné son cœur à toutes sortes de plaisirs. Mais il est arrivé à une conclusion que vanité de vanité. Donc tout ça c'était de la vanité. Il a eu ce qu'il cherchait, mais ça ne lui a rien apporté de plus. Il a même gâché sa vie, et même alors qu'il est allé dans toute la liberté, son royaume a été divisé et son règne n'a pas suivi l'exemple de son père. Donc la libre volonté ne va pas nous amener à jouer de la vie si nous exerçons notre volonté à mettre de côté ce que Dieu veut que nous fassions. Aujourd'hui aussi encore, j'aimerais revenir sur ce plan pour nous exhorter en général et nous responsables en particulier, sachant que la crainte de Dieu, le Dieu qui nous a donné le pouvoir, parce que tout pouvoir vient de lui, le Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a donné la santé, qui nous a donné l'être et le mouvement, exige que nous menions cette vie en conformité avec sa volonté, parce que sa volonté n'est pas nuisible à la vie. Sa volonté nous amène à vivre longtemps, à vivre heureux, à vivre plus longtemps encore et à jouir de la plénitude de la totalité de la vie. Il a donné cet exemple-là au peuple d'Israël au travers de la vie d'un serviteur qu'il avait choisi, David. David est reconnu comme, son leadership est reconnu comme l'étalon de mesure. Pour certains qui peuvent aller lire chez eux, ils vont voir que dans la chronique de roi d'Israël, il est dit, tel est devenu roi, il a vécu autant d'années, il a fait ce que l'Éternel considère bon ou mauvais, il n'a pas suivi ou il a suivi les voies de David, son ancêtre. Donc, David est devenu comme ce modèle-là parce qu'il a tellement aimé Dieu,
qu'il a mis sa vie en ordre avec Dieu. Il était un homme comme tous les hommes. Il avait aussi des dérapages. Il a fait aussi du mal. Mais il est considéré comme un modèle simplement parce que dans l'ensemble de sa vie, malgré les faiblesses qu'il avait, il a donné son cœur, il a aimé Dieu, aimé son prochain et vécu dans une certaine discipline. Et le moment le plus, la référence la plus grande à cette crainte de l'Éternel, c'est lorsqu'il était poursuivi par le roi Saül. La Bible dit qu'il a, il l'a rencontré quelque part. Saül le poursuivait, il ne savait pas que David était caché quelque part, mais lorsque Saül a monté son camp pour dormir, David est arrivé, il a vu Saül endormi. Oh non, aujourd'hui, franchement, quand tu es devant ton ennemi, d'ailleurs il te poursuit, tu es en train de le fuir, et tu le trouves endormi. Ben, son général va lui dire, mais voilà, c'est Dieu qui t'offre la vie de ton adversaire, zigouille-le, élimine-le. Il va dire, je ne veux pas prendre par le sang ce que Dieu m'a donné par onction. Je ne prendrai pas par le sang ce que Dieu m'a donné par onction. C'est-à-dire, comme je sais que Dieu m'a déjà donné le pouvoir, je ne veux pas le prendre de force ici. J'attendrai le moment que Dieu a prévu, mais je ne veux pas ôter la vie de quelqu'un pour prendre le pouvoir à sa place. Bien-aimé dans le Seigneur, ça a valu à David la reconnaissance même de la part de Dieu qui a dit, tu deviens l'étalon de mesure du règne des autres parce que tu as attendu ton temps et tu n'as pas voulu précipiter ce moment en ôtant la vie. Malheureusement, quand vous allez lire le texte là, même alors, après avoir révélé à Saül que, écoute, je pouvais même t'éliminer, voici même, j'ai même coupé le pan de ton habit. Et Saül n'avait pas cessé de le poursuivre. Il a toujours continué à le poursuivre. Donc quand quelqu'un te veut du mal, ce n'est pas ton bien qui va arrêter le mal qu'il veut. Il va toujours poursuivre ça. Mais si tu honores Dieu, Dieu contrôle les temps, les circonstances, les mouvements, il te rendra toujours vainqueur devant n'importe quelle situation parce que toi tu comptes sur lui et tu suis ses méthodes. Ça c'est la première chose. La deuxième valeur fondamentale que l'Éternel a relevée dans la vie des enfants d'Israël, c'est l'humilité. L'humilité, le fait, d'ailleurs dans ce texte-là, il est écrit que quand il deviendra roi, il ne doit pas se considérer trop supérieur à ses frères. En d'autres termes, il ne doit pas les écraser par son autorité. Il doit se rendre compte qu'il est l'un d'entre eux. Donc, nous aussi, aujourd'hui, que ce soit en famille, que ce soit au travail, dans quelque niveau que ce soit où nous avons une parcelle d'autorité, il est important que nous puissions nous comporter en toute humilité. Et c'est le modèle de Jésus-Christ dont la Bible nous parle. Étant égal à Dieu, il n'a pas considéré d'être égal à Dieu. Il s'est humilié en devenant comme un simple homme. Et quand il est apparu comme un simple homme, il s'est rangé d'être leader-serviteur. Et dans son service, il n'est pas resté là, il est allé jusqu'à obéir à la mort, et la mort la plus ignominieuse qu'on peut trouver sur la planète. Mais Dieu l'a relevé en lui donnant un nom au-dessus de tous les noms, pour qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, dit la Bible, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il a suivi la voie d'humilité, et c'est l'humilité qui précède la gloire. Lorsque nous sommes rempli du pouvoir, mais rempli d'humilité, nous allons exercer correctement ce pouvoir avec la bénédiction de Dieu. Donc nous aussi aujourd'hui, nous avons besoin de nous armer de cette humilité-là pour reconnaître dans le chef des autres qui nous entourent aussi leur valeur. Chacun de nous a une valeur et c'est cette valeur-là qui fait que d'une valeur individuelle, la collectivité reçoive l'apport de toutes les valeurs individuelles et devient une force
dans l'unité, parce que chacun apportant un peu du sien. Mais lorsqu'il n'y a pas d'humilité, l'on ne saura pas très bien coordonner les efforts des uns et des autres, et là où chacun estime qu'il est plus important que l'autre, l'on ne va pas avancer. Donc l'humilité fait que nous puissions accepter les uns, chacun dans son talent, dans ses capacités, et que nous puissions œuvrer ensemble. Nous avons besoin des victoires communes, nous avons besoin des victoires d'ensemble, nous avons besoin de réussir ensemble. Nous ici, des fois dans notre culture, nous aimons un peu trop l'individualisme. J'aime réussir moi-même sans le concours des autres. Et Dieu n'a pas permis ça. Il a permis pour le peuple d'Israël que même Moïse soit entouré de 70 autres chefs des clans pour qu'il se sente soutenu. Lui-même était fort, mais à lui tout seul, il ne pouvait pas porter tout le fardeau. Il devait être humble pour accepter la présence des autres. David aussi, il était humble suffisamment pour se faire entourer des gens. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on parle du niveau 5 de leadership, aujourd'hui, lorsqu'il y a des enseignements sur le leadership, tout le monde parle maintenant le niveau 5 de leadership. Niveau 5 de leadership, c'est un niveau où deux valeurs sont étroitement liées. D'un côté, il y a l'humilité, de l'autre côté, il y a la rigueur du professionnalisme. Donc, on doit être humble, mais tout en étant rigoureux. Et quand on atteint ce niveau-là, parce que les autres niveaux, c'est des niveaux de capacité, les niveaux de vivre avec le groupe, les niveaux d'obtenir des résultats. Mais après avoir obtenu des résultats, vous devez rester humble. Souvent, dès que nous atteignons nos objectifs, nous devenons quelqu'un d'autre. Et pourtant, on dit que lorsque vous allez plus haut, plus vous êtes élevé, plus vous êtes en danger de tomber. Pour ne pas tomber, vous devez rester à bord de l'appareil qui vous a amené là-bas. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. L'humilité. Merci beaucoup. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Donc quand vous êtes humble, vous restez humble, eh bien, cette humilité va vous amener encore plus loin. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, vous êtes l'un de nous, demain, vous occupez une telle place, votre numéro, votre téléphone. Donc, pour vous joindre, il faut aller au ciel et appeler tous les anges possibles, entrer dans la communion des saints. Non, ça ne va pas, ça. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Nous devons rester humbles et c'est cette humilité qui va nous amener toujours plus haut et plus haut. Parce que celui qui nous a appelés nous connaît et il veut que nous puissions rester humbles. La troisième chose, pour terminer, c'est pas un jour de trop de discours. À part le fait que nous devons craindre Dieu, à part le fait que nous devons être humbles, nous devons croire et faire confiance en Dieu qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il ne nous délaissera jamais. Nous sommes dans une vie où personne ne peut connaître ton vrai état, ta vraie souffrance. Celui qui vit avec toi autant d'années ne connaîtra jamais ce que tu vis toi-même, sinon Dieu lui-même. Et Dieu est capable de discerner le degré de ta souffrance et t'accompagner dans une dose de consolation que personne ne peut donner. Cette dimension de consolation, ce n'est pas les chansons qui vont l'apporter, ce n'est pas les discours qui vont l'apporter, c'est celui qui t'a créé, qui connaît de quoi tu es formé, qui peut réellement te consoler, parce qu'il a un principe. Même s'il vient te faire des reproches, les reproches de Dieu qui entrent dans le cadre de sa justice ne nous nullifient pas, ça ne nous détruit pas. Et bien au contraire, ça nous corrige pour que nous puissions devenir meilleurs pour l'avenir. C'est pourquoi même pour David avait souffert pendant un temps. Il a commis un mal. Vous savez, ça arrive toujours de confondre la foule. David a pris
la femme d'un militaire, il a fait tuer ce militaire-là. Et aux yeux de la population, les gens pouvaient voir, ah, quel est ce roi miséricordieux. Son militaire meurt et le roi prend la pauvre femme de ce militaire et la met dans sa maison. Waouh, quelle compassion! Les gens ne savaient pas qu'en réalité, ce n'était pas ça. Donc, il a fait passer une fausse miséricorde, il a fait revêtir cet acte-là d'une compassion externe. Mais la Bible dit qu'il était en train de mourir en lui-même. Il était en train de mourir en lui-même à cause de cette faute-là. Personne ne connaissait, si ce n'est son général d'armée, qui connaissait ce forfait-là. Personne d'autre. Jusqu'au moment où, quand vous lisez cette psaume, il disait que chaque fois que je pensais à cette faute, elle était devant moi, j'étais en train de mourir en moi-même. Jusqu'au moment où Dieu parle à un prophète pour lui dire, va dire à David, va lui dire qu'il y a un monsieur dans son pays qui a beaucoup de richesses. Il n'a pas trouvé mieux que de prendre la brebis d'un pauvre pour donner la nourriture à son visiteur. Ce riche-là a reçu un visiteur et il a, au lieu de tuer une bête de chez lui, il est allé prendre la bête d'un pauvre et il a confisqué et il a tué cette bête-là pour recevoir son visiteur. Et en ce moment-là, quand le prophète a annoncé à David, David a dit, moi, vivant dans ce royaume, un type comme ça, en tout cas, il doit mourir. Il ne peut pas vivre en posant de tels actes, il doit mourir. Et le prophète dit, mais ce monsieur-là, c'est toi. La plupart des choses que nous reprochons aux autres, nous-mêmes aussi, nous en sommes coupables. Donc, des fois, nous voyons aux autres des choses que nous ne pouvons pas tolérer. Et pourtant, dans l'histoire des autres, nous pouvons nous mirer aussi au travers de l'histoire des autres. Et ce qui est bon dans cela, c'est que lui, il a jugé fatalement. Il a dit, un type comme ça chez moi, il doit mourir. Mais le prophète lui dit, ce type-là, c'est toi, mais tu ne mourras pas. Donc Dieu juge différemment, il juge différemment des hommes. Son jugement est équitable et quand il juge pour la vie. Il juge pour promouvoir la vie, pour promouvoir des gens de plus en plus corrigés dans leur vie afin qu'ils exercent leur responsabilité comme il faut. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous n'avons pas le temps de trop aborder ici. Je préfère respecter le temps qui m'a été donné, mais j'aimerais insister ici pour dire que celui qui craint l'Éternel, il a la possibilité d'aller plus loin dans sa vie. Celui qui craint l'Éternel, l'Éternel le prendra en charge. Celui qui craint l'Éternel a aussi besoin d'aimer les autres tout en sachant que il n'est pas meilleur que les autres, mais les autres peuvent le rendre meilleur s'il marche dans l'humilité. Et ensuite, celui qui craint l'Éternel doit savoir que l'Éternel ne l'abandonnera pas, l'Éternel ne délaissera pas, il est le souverain de la vie. Je termine par un petit témoignage. À l'âge de 11 ans, j'ai perdu mon bras dans un accident de circulation. C'était dans la ville de Kikwit. En ce moment-là, paix à son âme, c'était Kitima bin Ramazani qui était en train de venir dans la ville. On était dans un véhicule plein de jeunes en train de chanter des cantiques révolutionnaires, comme vous le savez, en ce moment-là. Et à un moment, à un endroit, on préparait l'asphalte, le véhicule s'est renversé. J'ai eu 4 fractures ouvertes. Il y a eu d'ailleurs la coude qui a disparu. On m'amène à l'hôpital. Ben, la vie semblait partir, et puis le coma, et puis l'inconscience. Mais ce qui m'a retenu, et c'est pourquoi j'aimerais juste prendre ces 5 minutes pour dire que dans cet état-là, un jour je racontais ce témoignage à l'imité, une maman est sortie de la foule, est venue me voir en disant, j'étais l'infirmière qui était ce jour-là dans la salle, je ne savais pas ce qu'est devenu ce petit enfant-là de cette époque-là. Et dans cet état-là, je vois quelqu'un qui me dit 2 choses. La première me dit, ton jour n'est pas encore là. Quand ton jour sera là, tu vas alors passer
cette barrière pour aller plus loin. Donc moi je crois que tu ne quitteras pas ce monde parce que les gens le veulent. Tu quitteras parce qu'il y a un souverain de la vie qui aura décidé que c'est ton temps. Tout ce qu'on peut faire pour empêcher ne marchera pas. Mais tout ce qu'on peut faire pour te précipiter ne marchera pas non plus. Lorsque tu as... La deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que tu ne feras rien avec ce que tu as perdu. Considère dans ta vie que tu ne feras rien avec ce que tu as perdu. Tu réussiras avec ce qui te reste. Donc dans ta vie, quand tu vas constater que tu as perdu quelque chose d'irrécupérable, alors ne passe pas tout ton temps à pleurnicher sur cette chose. Concentre-toi sur ce qui te reste et tu réussiras. Donc, si aujourd'hui nous sommes en train de pleurer quelqu'un que nous avons perdu, sachant qu'il a légué plusieurs choses, plusieurs qualités, et avec ce qui reste, ce qu'il a pensé peut se réaliser. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Merci beaucoup.
Maman. Mission TV, le miroir du monde.